J'ai entendu à cul, défaite. Et non, Nino, parce que j'avais proposé de mettre des Pokémon de ma version Let's Go, on m'a dit non. Bah et surtout que je pouvais pas maintenant. Par la suite, quand tu pourras, si tu veux. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oui! Il trouve des trucs plus que Evoli, parce qu'Evoli, il sert à rien. Voilà, c'est le meilleur Pokémon du monde. Je voulais vous le prouver, maintenant c'est fait. C'est le musée, ça, encore? Ouais. Enculé, il est sacrément fat, le Ramolos. Ouais, et la madame, elle aime bien te proposer des trucs. Ah bon? Oh non! Il est à la ramasse. Ah, chez toi, c'est une femelle. Ouais, ok. Et on attend. Oh, putain. Bon, ben, je vais pouvoir me moucher. Faut que j'appuie ou pas? Mais il dit rien. Oh là là. Ça, c'est du dialogue de compétition. Alors, si j'ai passé un moment super relax, je suis vraiment très heureux. Qu'est-ce qu'elle me donne? Une grande perle! Mais ça vaut 2000, un truc du genre, non? Ah oui, pardon. Ah, je vous amène près de moi, cher viewer. Ah oui. Là, normalement, vous m'entendez ou pas? C'est une vraie question, parce que j'ai un peu mal au dos, parce que je suis une vieille personne. Ah, il y a 4000. T'es loin. Ah, c'est 4000. Quoi? T'es loin. Je suis vraiment loin. Oh, tant pis, je m'en fous. Oh, merci Axoul pour le follow. C'est Axoul? Apparemment, ouais. Va te faire raser la moustache. Oh, je pense que depuis... Aïe, aïe, aïe. Bah tiens, regarde. Quoi? De quoi? Je vois pas. Coucou! Eh bien, coucou. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? J'ai pas lu, putain. J'ai rien lu de ce qu'il m'a dit. En gros, en fait... Ah d'accord, il me conseillait... Voilà, non, dans certaines arènes, il t'impose certaines choses. Et là, il m'impose de vraiment jouer avec Bulbizarre, quoi. C'est en des tocards. Bon, bref, attends, les informations. Voyons combien, quelles attaques il a. Il est niveau 3, on l'a dans le fion. Genre complètement. Il a charge et rugissement. Putain, va falloir qu'on... Ah, déplacer, on va te mettre en second. Va falloir qu'on farm, désolé. Nous allons refarmer le chenipan shiny. Au secours. Un grand moment de solitude sur ce stream. Bon, on va falloir farmer pour qu'il ait au moins 20... Ouais, mais non, mais Fouillian, c'est combien? Niveau 10, 7. Il a pas d'attaque plante, ton Bulby? Bah non, il a charge et régissement, il est niveau 3, quoi. Ah, il est là! Vous êtes sur Twitch depuis longtemps, j'avais pas du tout fait attention. Je dirais 3 quarts d'heure. Non, mais... Non, en vrai... en vrai de vrai, ça fait 2 ans qu'on a commencé, mais on n'est pas très régulier, en fait. C'est vraiment quand on peut, quand on veut. Ouais, parce que nous avons... Un truc un peu du travail. Le vrai travail. Ah, oh, c'est vrai, le vrai travail. Mais putain, mais... Espèce de bouffeur de Pokéball de merde. Ça fait tant qu'il a pas... Ouais, ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu de stream. C'est vrai, dernièrement, si, il y a quand même eu... Bah, il y a eu un Hollow Knight, mais ça remonte à cet été. Ah, cet été déjà? Ouais. Ah oui, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Mais en même temps, c'est à cause du patron, il veut pas. Hé, hey, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, c'est les choses qui s'appellent un vrai travail et les obligations. Donc. Moi, je te dis, hein, je peux venir à minuit et... Ne pas avoir de viewers. Voilà, et ne avoir personne et faire du YouTube. Bah attends, pour un lundi après, mais on a des gens actifs sur le chat, c'est bien. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que je suis là lundi après. C'est tout ça le problème. Ouais, avec un excellent, et ça c'est beau. Deux! D'accord, deux. J'ai pas compris. Moi non plus.
Sinon, vous pouvez faire des dons, ça nous paye les tacos ce soir. Ah, c'est ça, j'y arrive. Alors, nous allons lancer une campagne. On fait un Ulule juste pour ce soir, tu vois. Nous allons faire un Ulule ou une cagnotte litchi. Parce que ce soir, nous avons faim et nous voulons manger des tacos. Si, j'ai bien dit si. Ouais, en fait, non, c'est la pire idée du monde, ça, ce que j'allais dire. Putain. Ah, se lancer. Ouais, c'était tout mou. Mais arrête! Voilà. On dirait moi qui joue à Pokémon Go. C'est vrai que tu t'énervais beaucoup. Ah mais putain! Aïe aïe aïe. Allez, Bulle Bizarre, t'apprends. Allez, apprends mon petit grain, un truc du genre. Déjà! Bon ben voilà, tu sais si et ça reste voilà, à faire. Nous allons de suite faire la première arène. Non mais niveau 5, mais c'est quoi ce bordel? Mais il a jamais appris Foelia. Pense à mettre Bulle Bizarre en premier dans ton équipe par contre. Oh ah non, non, mais c'est, c'est le tien. Mais j'ai cru que c'était un sauvage. Moi je veux tous les... Ce soir on a faim, on veut manger des tacos, fait. Bah écoute, il n'y a pas de petit profit, comme on dit. C'est moche de parler comme ça, c'est moche. Non mais c'est vrai que chaque année en décembre je lance la petite idée de faire des dons pour notamment pour juste payer Noël. L'assurance de l'assaut. Et là je l'ai pas merde, fait. Donc voilà, donc, n'hésitez pas, don libre, ça on prend toujours. Ouais, le don libre. Mettez-nous des petits messages dedans, tout mignon, que je vous dise que vous êtes mauvais. Je sais pas pourquoi. Attends. Ah. Voilà. Nous transférons tous les Pokémon que nous avons en nous. Ah oui, j'aime beaucoup les bonbons. Oh, merci. Ensuite, comment on fait? Ah non, c'est faut aller dans équipe. Comment on... Là. Nous déplaçons en premier parce que c'est le Pokémon du jour. Et je tousse toujours en temps. Quelle idée de me faire stream alors que je suis malade. Alors si jamais, je peux te faire un thé à l'amande parce que c'est très bon avec un peu de miel. Alors ça serait du chabinana. T'en veux un? Alors, si tu me le fais, je dirais oui. Allez, je passe le micro, je te fais un thé à la menthe. Et Si vous voulez un thé à la menthe... Si vous aussi, vous voulez du thé à la menthe, envoyez 3615 thé à la menthe. Oh merde. On devient vraiment débiles. Jake est un ange. Que Jake est un ange. Ouais, parce que... Nino, elle a dit que Jake est un ange. Ah, c'est pour ça, les petits déj, les fameux. Alors, par contre, l'animation du Foelia n'est pas dégueu. Alors, Jake est un ange. Oui, 36K. Elle veut vraiment être à la menthe. Axel nous dit, ça, c'est un colloque de qualité. Alors, nous sommes chez Akuro et... Jacques, mais non, nous ne sommes pas tous les deux colocs, nous sommes juste amis depuis 10 ans et demi presque, à peu près, et que je sais que si je peux lui demander un massage de pied, il le fera. Ça va la tête, enfoiré. C'est Elvin le fan de camping, mais putain, mais comment on peut être fan de camping? Ouais, c'est plutôt un scout qu'autre chose, on est d'accord. Est-ce que Akuro voudrait un thé ou une infus au chou? T'as faim? C'est vrai, il y a ta mousse au chocolat. Non mais c'est sans déconner. T'as le droit de passer devant la télé, il se passe rien de bien intéressant. C'est encore mieux qu'un coloc en vrai, mais oui. Ça n'a pas les inconvénients de il fait du bruit le soir, je suis allé chez lui à me dorer la panse. Et après on mange des tacos. Et généralement en fait on faisait des campagnes de dons, c'était donnez-nous de l'argent pour les McChicken, mais là on s'est dit McDo ça commence à suffire. Depuis qu'on a vu certaines vidéos avec des McChicken, vous ne voulez rien savoir. Donc non, je suis pas si vegan que ça du McChicken. Ça reste quand même un de mes sandwichs préférés.
J'ai dit un de mes sandwichs préférés. Tiens, voilà, nous allons lancer un débat sur cette chaîne Twitch. Mais alors, quelque chose de très intéressant. Alors, gilet jaune ou... Non, je déconne. Je déconne. Quel est votre sandwich McDonald's préféré? Répondez-nous dans les commentaires. Ceci n'est pas du placement de produit. Nous ne sommes pas sponsorisés par McDonald's, même si à moitié. Non, c'est juste qu'un Kuro travaille chez au McDo. Quoi. Oui, chez McDo. Alors, donc direction Otakos. Oui, je pense que ce soir, ça va être direction Otakos. Je pense que c'est Otakos qui va venir à nous, peut-être, mais à voir. Chocolatine. Oui, chocolatine aussi. Et non, ce n'est pas le débat chocolatine, pas au chocolat, arrêtez. Nous allons poser les questions. Nous allons faire le tour de l'équipe. Quel est votre sandwich préféré chez le McDonald's? Nous allons commencer par Jake. C'est pas grave. Tu peux nous le dire, on le répétera. Vous êtes des barbares. Vous êtes des barbares avec vos chocolatines. Ouais, on dira ça, ouais. Donc on a un McChicken. Romy. Quel est ton sandwich préféré? Un McDonald's. J'aime bien les braves en général. Ouais, mais alors celui au tagine, il est vraiment pas génial. Hein. Non, mais c'est vrai. En soi, je trouve qu'il est pas génial. Akuro, quel est ton sandwich préféré, sachant que tu travailles là-bas et qui te dégoûte peut-être tous. C'est-à-dire des trucs que vous faites vous-même. Ouais, voilà. D'accord, donc on est sur des commandes spéciales. Pourquoi nous, on peut pas faire ça? On peut pas demander des menus secrets? Non. Vous êtes nuls, ça pourrait être marrant. Non. Genre j'arrive, je voudrais un secret numéro 2. Le CBO pour Axul et le Big Mac pour Nino. Casual, avec un petit Big Mac. Mais le mieux c'est quand tu te fais jeter des pailles et des serviettes par la fenêtre. Oui c'est vrai, comme une pichenette sur la joue. Parce que je viens de passer pour dire... Bon par contre, on discute. Ouais, j'ai dit que t'étais un petit caca. On discute, mais pendant ce temps, y a un problème, c'est que Bulle Bizarre se prend une tub immense par Pierre. Ouais, vas-y, envoie Onyx, je vais pas changer, je vais essayer de lui mettre un Fouillian avant de crever, mais... Ou alors j'utilise une popo. Nous allons faire ça. La petite popo. Popo. Voilà. Le temps que j'utilise la potion, il va faire une attaque, ça va me calmer. Je le sens venir, mais gros comme une maison. Attention. Voilà. Et meurt. Bon. Ça va être un peu complexe. Ouais, surtout que de faire mourir les Pokémon, ils t'aiment plus après. C'est un peu dommage. Bon, voyons. Voyons si le starter pété va fonctionner. Est-ce que le type combat est fort contre la roche? Ça m'étonnerait, hein, si. J'en souviens plus. Waouh. Attention, double pied. Bon, ok, c'est pété. J'en ai marre. Voilà, le starter pété, il est là. Si en cas le jeu devient difficile, prenez votre starter. Et vous gagnerez. Quand même gros au niveau. Y'a qui? Oui. Je vous écoute, mademoiselle, que voulez-vous? Ah, moi, oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien le 280, mais au poivre. Alors, si tu trouves que c'est trop difficile, secoue l'autre manette de la console. Non, non et non. Personne ne viendra jouer avec moi. Oh, je lui ai mis une tape dans la queue. Pourquoi? Putain, mais sans déconner, c'est pénible. Non, nous allons pas faire un mode de joueur. Ah, je peux avoir coup de boule. Mais avant, il donnait pas patience, putain, mais sans déconner. Quoi. Qu'est-ce que...
Il veut absolument que je secoue, qu'est-ce qu'il a à me dire? Evoline se tient plus de fierté et de joie après avoir remporté son combat. Oh là là, mais pourquoi? Moi je veux jouer avec... pourquoi il tire la gueule? J'ai fait un câlin! Voilà, il est content, on est tous heureux. La grosse Mimi, quand tu la caresses, elle gueule. Elle tire pas la gueule. Merci pour le thé. Et toi là? Putain, je me fais encore agresser quoi. Ah, c'est Régis! Ah, bon, c'est Blue, pardon, c'est son prénom originel. Oh là là. Avec la musique derrière, impeccable. Ça me... Attends, il donne des Super Bowls depuis quand Régis est gentil? Genre, regardez la tête qui tire! Non, mais il a mûri depuis tout ça. Non, mais regardez la tête qui tire! Je comprends pas. Pierre, tu viens de le mettre en PLS. Bah, du LCT en souriant, le bébé. Bah, c'est vrai que dans le premier, il tirait la gueule quand même. Hein. C'est bon, il avait peut-être aucune. Aucune. Putain, aucune émotion, donc. Il tirait la gueule. Échec. Nous allons soigner Bulbizarre. La 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 la. La 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 la. Oh putain! Attendez, je viens de calculer quelque chose. Je vais à tous vous demander. Je vais à tous vous. Oui, ouais, ok. Oui, je vais à tous vous demander de bien regarder le stream et d'arrêter ce que vous faites à côté si vous faites quelque chose à côté. C'est un moment anthologique. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je prépare la venue d'un dresseur assez emblématique qui ne sait rien dire. Ah oui! À part. C'est lui? Non, c'est pas lui. Pense ouais, à la passer à la boutique pour. Je travaille. Attendez, vous allez voir. Faut que j'aille à la boutique, genre vraiment? Non, d'abord le combat. Il est où? Ah, mais il est là-haut! Lui, il va me rettre. Alors, les coachs, c'est. Ah oui, il faut tuer d'abord tous les dresseurs de la route, après revenir les voir et utiliser au moins, c'est ça? Non, normalement, tu peux le détruire, non? Ok. Donc, lisez bien ce qui se passe. Voilà. Voilà! C'est ton penchy favori, quoi. Dans les premières versions, il disait: j'adore les shorts, ça garde les genoux mon frais. Lol. Le fameux short, oui. Ah merde! Bon, on va devoir le taper à la charge. Non! Enculé, ce qui t'a mis? Bah, c'est Pic-Pic. Va falloir que je change de Pokémon, je suis deg. Je veux pas qu'il meure. C'est le short, le fameux. Je l'aimais beaucoup dans les premières versions. J'adore les shorts, ça garde les genoux bien au frais. Bili 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 bili. Y'en a, ils ont des raisons pour se battre, c'est assez incroyable, quoi. Tiens, je viens de trouver une fleur, Pater. Et paf, c'est pas très efficace. Ah non, c'est normal, très bien. C'est dommage qu'il ne soit pas là, je connais quelqu'un qui, dans mes amis, sait très bien imiter Pierre Fabek, c'est assez incroyable. Mais c'est pas les mêmes bruits qu'avant. Vraiment, tu te balades bien avec un Evoli sur la tête, Vincent. Ça peut paraître agressif. Vous avez vu mon Evoli? Le mec insupportable. Bon, on va aller au magasin, soigner, tout ça. Là, tu cours pas vite, Bulbizarre, quand même. Chez Tiflor, il était devant et il trimbalait ses bras en l'air. Merde, il était là où le magasin. On va d'abord là. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait toutes les musiques. Oui, il a raison, il danse. Oui, je te confie mon équipe.
Alors que l'équipe Zazie vient d'arriver. Oh là là. J'ai déjà marre. Et ouais, Garou l'intermittent, quoi. Ah, là là là. Tu vois pas ce qu'il se promène sur le dos, Bulle Bizarre, il peut pas cavaler non plus. Ouais, mais ça fait partie de sa vie, le pauvre. C'est vrai qu'en vrai, Bulle Bizarre, ça mélange entre crapaud et un bulle. Je comprends maintenant pourquoi mes amis disent qu'il a aucun charisme. Là là là, 10 balles. Allez, donne-moi des honor balls aussi, là. Ouais, merci. On va prendre des super bourreaux. J'ai combien d'argent? Ah oui. Est-ce qu'il va me refiler une honor ball moisie? Ou deux? Ah oui, d'accord, donc vraiment l'honor ball, c'est tous les 10. Peu importe ce que tu prends. Nul. Donc c'est un bulbe bizarre, blablabla. The more you know. Bon, allez, on se casse. Elle veut se battre là? Oui, elle veut. Le market a envoyé un mail pour diffuser une mise à jour, sauf qu'elle n'est pas compatible avec toutes les versions. Si certains clients font la mâche, boum. Ah oui, en effet. On aime l'informatique pour ça, hein. C'est vraiment le meilleur métier du monde. Oh, Misterbe. J'imagine que toi, c'était pas Misterbe, c'était un putain de chez Teflon. Ah ouais. Oh là là, la Volvic, la fameuse. Non, elle va pas soigner beaucoup, si. Ah, quand même. Ah, ça, c'est le combat nul, hein, on adore. La 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 la. La 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 la. Ah putain, les combats sont longs, ça va. Tu veux ma facteur, il sort du champ de vie, tu es super, et Pierre qui sourit quand tu le règles, ça commence à devenir curieux, ce... Et l'autre qui demande de garder son Pokémon aussi. Le ramasse. Je sais pas s'il était là, si. Ah, la ramasse. Ouais. Ah là là. Putain, mais c'est long le combat! Oh là là! Et puis c'est fait. Puis Misterbe qui sourit toujours, même après se faire avec la gros. Ah non, c'est bon. La chiale. Ça ne fait que confirmer qu'il faut. Ouais! Vampigraine? Eh ben non. Cette attaque n'existe plus. D'accord. C'est Pékin la fillette. Tiens, c'est ma photo. Ah, mais elle la donne vraiment. Jean. Le tu veux ma photo pris au premier degré. Ouais, ouais, c'est ça. C'est tu veux ma photo. Ah, je savais qu'il y avait quelque chose. Bulle Bizarre, tu veux pas trouver un truc? Regarde, il y a des buissons là. C'est tes amis. Bon, ok. Je préfère disparaître. Non, Il faut passer par au-dessus. Genre là, tu vois, tu sautes le petit talus. Que tu ne peux pas remonter alors voilà. Qu'il fait 2 cm. T'as vu la taille du talus, hein. On peut pas la regrimper. Voilà. C'est dommage d'en arriver là. Non, mais c'est comme les petits buissons avec tranche herbe, là, ces 3 branches qui se battent en jeu. Tu mets un coup de pied dans le machin. Ouais. J'ai aucun respect pour la nature. Fais gaffe à mon nouveau Pokémon. Si c'est un putain de Rattata, je pleure. Ah, ça risque de... Non, Rondoudou, il est plus bas, je pense. Ah, Nidoran, soit. Oh non, il est de type poison, je crois que... Ça continue, tu ramasses une Poké, ouais. Ah, Rondoufuyon, le fameux. Ah, on est obligé de charge. Oh putain, le gros plan. Le gros plan sur Bulle Bizarre, on aurait dit qu'il était un peu tombé. Ah, et quand même, le Darvenin. Pourtant, je suis de type plante et poison, ça devrait pas me faire si mal. Ok, d'accord, là par contre, c'est la dèche.
pauvre. La 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 la. Ah, il est vraiment long. Hein. Oh, tu m'étonnes que tu passes minimum 15 heures. Entre tous les combats qui sont super longs. Moi, je pensais que le jeu faisait vraiment 15 heures, mais non, c'est là. On avait mis combien en faisant la course? 8. Les rouges, tout ça? Ouais. J'attaque en premier, je suis pas. Bah, j'avais traîné les pieds, donc j'avais mis 14 heures et quelques, mais je crois qu'il y en a un qui l'avait fait en 6 heures. Ouais, je crois que c'était Benoît. Il me semble, ouais. Il a fait le meilleur. Mais après, personnellement, mon temps sur Pokémon Let's Go, je suis à plus de 30 heures. Mais c'est parce que j'ai tout fouillé, tout traîné, j'ai parlé à tout le monde. Je veux apprendre des attaques. Ah oui, on veut vraiment apprendre une attaque. Attends, mais... Depuis quand Rukul apprend Mimique, genre dans les premiers niveaux? C'est complètement cassé. Ah, lui, il était vraiment... Vraiment très étonné que j'ai gagné. Quoi. Que je gagnasse le combat. C'est bon, j'ai battu tout le monde ou pas? Non. Attends, mais... Non, c'est pas ça, le coach, c'est quoi? Bon, on y va après. Mais putain, mais... Tu peux pas les monter, ces connards de cailloux. Il avait mis 8h01 sur Pokémon Jaune, Benoît. Soit t'avais mis 9h24. Et moi, 14h48. Bah, c'est le jeu qui a planté. C'est vrai. Parasport, non. C'était très drôle. C'était pas mal, ça, comme idée. La course sur les Pokémon. Bon, on aurait pu le faire sur ça, mais bon... Ouais, enfin... Voilà, quoi. C'est long. Et puis il faut streamer chacun de son côté, puis, on a qu'un appareil. Puis même, enfin, même si les autres c'est des jeux qu'on connaissait de base, là même si on est censé un peu le connaître, ça reste un nouveau jeu. Ouais. Donc les courses, plutôt que sur des trucs qu'on connaît vraiment bien, quoi. Ouais, après tu peux, hein, en tant que premier try, mais voilà, quoi. C'est Raphaël le coach. Alors que sur Or Cristal Argent, c'est plus. Putain! Le match miroir. Exactement, Nino, c'est exactement ça. Vous parlez de mon Ralga qui vous met à la pâtée. Il a triché, on le sait tous. Et pourtant, c'est lui qui partait entre guillemets, bon, en dehors de Tauren, qui partait avec un handicap parce qu'il avait des combats. C'est ça, tout ce qui est Team Rocket et tout, il avait donc des combats en plus. C'est pour ça qu'il a triché. Il est allé chercher. Un article d'Inde, là, et voilà. Il nous l'a tous mis. C'est vrai. Est-ce que ça craint double pied ou pas du tout? Bof. En fait, c'est vraiment le genre poison qui craint pas le combat. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais on reconnaît la défaite sur rouge, bleu et jaune, hein, ça... Alors pour l'instant, notre budget taco c'est 0€. Hein. Ah non, mais c'est bon, on va pas faire ça vraiment. On va pas vraiment faire ça. C'est bon. Après, je peux montrer mes seins, mais je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Ouais, mais est-ce que tu as des grenades en dessous? Ah, pas mal. Mais attendez pas. Non, mais je suis pour un régime. Eh, ça veut dire quoi? J'ai déjà perdu 10 kilos, wesh. Mais si tu montes tes seins, ça veut dire qu'il faut qu'on mette la cam pour te revoir. Oh merde, non. On va se faire ban Twitch. On va se faire ban. Genre, coucou, voici mes tétons. Ban. Alors, il y a Benoît qui transfère un message, il a dit, j'ai pas triché. Non, mais je dis vraiment ça pour l'emmerder. C'est pas quelque chose que je pense réellement. Qu'on soit d'accord. Ni.
Ah, où est Rondoudou? Où est Rondodo? Bon, elle a un nain, normalement. Ouais, mais l'offé. Non, je t'ai pas poussé, je t'ai juste parlé, mais quel est con, ouais. Il a vu le chat en passant un coup de vent. Il savait très bien que j'avais dit qu'il avait triché. Il savait très bien ce que j'allais dire. Putain, je suis dégueu. Ah oui, la vampire dans la fameuse. Pof. Ah oui, c'est vraiment pas du tout efficace. Re Imagiro. Re. Tiens, là que tu étais parti, nous avons besoin de ton avis. Quel est ton sandwich préféré chez McDonald's? Réponds-nous dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. On va faire un stropol avec tous les sandwichs. Ah oui, on va mettre un stropol. Non. 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 J'ai envie de faire ça, moi. Le combat était pas assez long, donc j'ai lancé une vampire. Le mec insupportable. Et là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui te met que son préféré, c'est le... C'est le fiche. Oh, fish. Dégueu. Mais tu vas me dire, à dos, on a réussi à faire toute la carte McDonald's. J'ai enfin pu dire que le McFish était vraiment dégueu. Et pas juste, ah, c'est au poisson, ça a pas l'air bon. Waouh. Ouais, monte son cul. Je vois pas en quoi ça baisse notre défense. Faudra dire ce qu'il en est. Hein. Bulle Bizarre, c'est quand même le meilleur des starters parce que tu fais les deux premières arènes easy. C'est le destin, c'est tout. Mm. C'est pas qu'il est facile. C'est qu'il est trop fort. C'est BO, mais j'aime McDo de moins en moins. Et on aime Burger King de plus en plus, que l'on soit d'accord. En Russie, ils font des crevettes chez McDo. Mais non! Ah. Oh! On va en Russie? Non. C'est quoi? Oh putain, il est là, tu l'as vu? Il traîne dans les airs. Oui, mais vas-y, capture-le, t'as comme ça tu pourras échanger. Ouais, ouais, super, allez, cool. Oh le sel! Capture-le qu'on en finisse. Au moins lui, il tire pas la langue comme l'autre. Ah. Non. Ne faites si pas ça. À calcul... Ah, la queue. Mais putain, mais. Oui! Ah ben voilà! Ah, des crevettes! Moi, ce que j'ai aimé, c'était au Canada, le menu Joyeux Festin. Attends, non! C'était quoi déjà les McNuggets? Imagiro, aide-moi, s'il te plaît. Les ouais. Nuggets, c'était les croquettes de poulet? Non, ouais, c'était je pas... crois que c'était ça. C'était ouais. Ça, je m'en souviens plus. Ou alors les menus XL qui sont vraiment XXL. Ah ouais, là par contre, la frite, elle était sacrément large. La frite XL, c'est la double de chez McDo. Mais grave! Canada. C'est la double XL de France. Ratata, il est content. Tu veux pas choper un piaf avec? Non, j'aime pas piaf avec. Je vais pas tous les capturer, hein. je le ferai peut-être off stream, mais là. C'est le deuxième! Mais y'en avait pas deux! Y'en avait qu'un! Comment il s'appelle cet imbécile? Oh, c'est Ben! Ben le gamin veut se battre. La Ben le gamin aime les shorts. Le café frappé au sirop d'érable. Ah, oh, ta race, Tim Horton, ça me manque tellement. Qu'est-ce qu'on a bien déjeuné chez Tim Horton? Au service au volant. Mmh. Le drive, ça s'appelle service au volant. Ouais. Et le parking, je crois que c'était garé ou enfin c'était chaud. Le parking. Le garage public. Méfie-toi, un flacon de parfum dans un buisson, ça sent le sapin cette affaire. Mmh. Non, c'est un vieux Kenzo ou un Flower. Je sais plus. Flower. Flower by Kenzo. Tu connais pas? Si. J'en ai acheté un à ma soeur, je crois. Buisson, ouais. Et toi aussi, tu vas te battre? En effet. Ah lui c'était fait. T'es dresseur? Oui. À l'attaque. Moi ouais, c'était. Le Mac Croquette. Voilà, c'était ça, putain, merci. Mac Croquette. Le fameux Mac Croquette. La.
Aïe aïe aïe. Bon, s'il fait armure, va falloir la sauce crémeuse avec les ustensiles. Putain. Oui, les couverts, c'est les ustensiles. Le mec est pépouze à la chasse aux papillons, d'un coup sans prévenir, il t'agresse. Mais comme c'est un malin, il t'envoie un coup confort. Ouais, il est vraiment très fort. Il a essayé de planter l'arbre du villageois, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, il plante l'arbre du villageois. Il va mettre deux coups de hache, et après, pense. D'ailleurs, Ben, le savais-tu? Tu sais que tu peux utiliser ta hache, pas à côté de la ville. Voilà. Tu plantes ton arbre, tu utilises ta hache, et t'es content. T'as inséré de la sauce crémeuse. La salade crémeuse. J'ai envie de poutine, ça y est, quoi. Vladimir? Non, pas Vladimir. Le plat. J'ai envie de poutine. En vrai, je crois qu'il y a... Mais non, je crois qu'il y a un magasin, un resto qui est... Il y a un restaurant belge à Toulouse. Sur la poutine, ouais, à Toulouse. Il me semble aussi, oui. Ouais. Pas qu'on se le fasse, hein. On a tellement à faire. C'est vrai qu'on en a beaucoup. On est toujours pas allé à la raclette à volonté, bordel. Ouais, faudrait qu'on y aille. Oui. Mais oui. Oui, à Balma, au bowling. Tu savais pas? Il a ouvert il y a... il a ouvert il y a quoi, un mois et demi, là? Ouais. Juste comme ça? Oh, je dirais 2 mois, même. Bah, il a ouvert sur le temps de fin de Radio Caravane. C'était ouais. Fin octobre. Yo, la pêche, salut Rix. Bonjour Rix, 31-260. Mais tout le monde commence, on a la pêche, c'est fou ça. Ouais. C'est pas la saison, bordel. 31-260, c'est quel code postal, ça? Le premier degré, quoi. C'est vrai, au moins ils disent pas yonche, gros. Wesh, wesh. La pêche, la banane, on va se faire une salade de fruits. Ah putain, j'aime beaucoup. Raclette à volonté, la violence, oui. Eh, tu vois que le sud, c'est bien, Axoul, et que ton nord à côté, ça ne vaut rien. Ah, salut, Bulbizarre, tu veux me donner quoi? Voilà, bon, bah, on dira ce qu'on veut, Bulbizarre, meilleur perso du jeu. La bananade. Y'a pas un rondoudou, là, putain, mais... Je veux rondoudou. De souvenir, j'en ai pas eu, là. Bah, pourtant, dans le jeu de base, les rondoudous, c'est là. C'est rare, certes, mais c'est là. Un rappel. Pas bien pour le bidou, tout ça. Oh, choupette, non! Le bidou! Faudra faire 2 fois plus de sport. Ben ouais, mais j'attends que ça, moi, de faire du sport. Personne ne veut. J'ai un abonnement à la piscine que je me sers pas, c'est con. Ouais, ben la piscine, malheureusement, je peux pas trop y aller le soir, moi. Je travaille tard. C'est ça, de bosser dans les... Oh, tu l'as vu? Regarde, il fait... Mais on dirait plus un ver de terre qu'autre chose, là. Il est vraiment... Non, il est sacrément beau, le vagabond. On s'en fout, ça rampe et c'est dégueulasse. Mais non. Mais... Sinon, t'as un dresseur au-dessus, là. Ah, mais ça... dans le Nord, il y a plein de bonnes choses aussi. Oui, certes. Mais quand même, la raclette à volonté, ça bat quand même beaucoup de choses. Enfin, la raclette, c'est pas forcément du Sud. Hein. Si tu me dis qu'il y a la magie, les celtes et les menhirs et les dolmens, je vais dire, bon, ok, à voir au moins une fois. C'est plus, ça, c'est plus la Bretagne que le Nord, ça. Ouais, mais dans le nord, c'est le tuning, Vanusseau. Oh non, solo! Draken. Vanusseau! Bon, il n'y a pas de rondoudou, je suis très déçu. Alors, le Kuniaman. J'en ai goûté, bon, c'était peut-être pas des vrais. Si, ils étaient importés de Bretagne, je crois. Oui, c'était une... Ben oui, c'était une recette, un magasin breton, donc oui. J'ai goûté le Kuniaman, merde. Alors, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça, c'est clair. Mais... beurre sur vin, quand même. Après, voilà, c'est on te le vend comme ça. Hein. De toute façon, le dit le Kuniaman, c'est t'as à manger, et puis t'as chaud, après. Mais putain, mais je veux... Bon, il n'y a pas de rondoudou. Enfin, c'est 80% de la recette, aussi. Oui, voilà, c'est ça. Le cidre, je suis d'accord aussi. Mais alors, le cidre, il est breton ou il est normand? Ah, ça c'est encore un débat. Oui, alors Axoul, je pense que tu vas bien t'entendre avec Romy à côté de moi qui vient de Angers. Donc tout ça, c'est un peu de son truc. Qui est très fan de la Bretagne. Et qui est très fan, ouais. Là-bas, c'est du beurre et du beurre, pâte feuilletée, beurre, feuilletée, beurre, sucre. Ouais, mais est-ce que c'est du sucre stevia? Parce que quand même. Et du beurre salé, bien sûr. Le beurre salé, c'est bon. On est d'accord. Ah putain, mais il est niveau 13, mais que le fuck.
Merde, j'ai pris Nara. Non, c'est pas le niveau max. Ça va, Naoned et Braze. Oh là là, j'ai envie de vomir. Le mec, tant que ça quoi. Oh, j'ai envie de vomir. J'aurais dû aller au centre Pokémon qui était juste au-dessus. Putain, je suis vraiment tocard. Non, les cathédrales et les campagnards sont drôles si tu les prends au second degré. Ouais, est-ce qu'ils ont du second degré? Ça, c'est le problème. Moi, y'a pas. Ah putain, mais non, je suis vraiment en PLS. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était quoi ce bruit? Oh putain. Bon, faut arrêter avec Jackpot là. Attends, c'est un type normal, Miaouss. Meurs. Mais putain, mais il va me tuer. Oh là là, la PLS. Va falloir que je réutilise une potion. Ah non. Mais c'était pas super efficace. Putain, je suis vraiment en train de mourir, quoi. Je suis très... Ah, c'était Mohamed. Mohamed le coche. Géraldine Nakache. Géraldine Nakache. Non, Géraldine Nakache. T'as regardé les deux derniers de mercredi, en fait? Et non. Attends, c'était si, avec t'as... Commander et... Ouais. Oui, c'est fait. Du coup, t'as vu le tweet de Marina? Non, parce que, en fait, j'ai enlevé la conversation. Bah, je te la mets sur Skype. Ouais. Je dois y aller. Bon live, les gars, soon. Bisous, Absol. Okay. J'ai arrêté, c'est pas gentil. C'est pas voulu, hein. En plus, c'est souvent ça, quand j'ai envie de live, je suis malade. Ah, mais ça toujours. Hein? Toujours. Ça me saoule. Tiens, je te regarde, attends, comme ça. Que je sois enrhumé, ça, c'est toute l'année, mais...